Je m'appelle Maude Laberge, je suis préfète de la MRC Bournois-Salaberry. On vient d'annoncer la nouvelle campagne de sensibilisation de sécurité routière avec un mix de cultures super intéressantes qui s'appelle « Pas de sel au volant, c'est gagnant ». La distraction est un problème de sécurité qui a pris de l'ampleur au cours des dernières années, notamment en raison de la place centrale de la technologie dans le quotidien des gens, faisant en sorte d'augmenter le nombre de sources de distraction. Il y a beaucoup d'accidents qui sont liés à la distraction au volant. La SAG nous a vraiment sensibilisés à ça. Il nous disait que même que la Montérégie est en première ligne des accidents, puis il y a 35 % des accidents mortels qui auraient pu être évités, puis qui étaient en lien direct avec la distraction au volant. Donc, on pensait que c'était intéressant de vraiment faire une campagne là-dessus d'un an avec différents partenaires, les municipalités, le Conseil des arts, le Conseil de la culture, pardon, de la MRC, la Sûreté du Québec, les policiers de Châteauguay avec les cadets, avec la sécurité de parc. Il y a un paquet de monde que j'oublie. Peut-être. Il y a aussi le Collège de Valleyfield qui est la nouveauté. On est allé avec l'équipe de football, avec des capsules vidéo pour aller sensibiliser les gens à leur conduite. Et tout le monde est touché par ça. Les petites bébelles qu'on appelle un téléphone cellulaire, on regarde ça, on a envie de texter, de répondre à nos amis, mais on a le goût aussi de regarder notre GPS. Puis on sait que c'est une distraction au volant et que c'est dangereux. 35,6 % des accidents mortel là, était dû à la distraction de 2014 à 2018. Donc, le but ultime, c'est vraiment d'améliorer ce bilan-là. On appréhende actuellement en 2019 une augmentation du nombre de constats d'infraction de l'ordre de 60 à 70 % par rapport à 2018. Donc, il faut faire un constat comme organisation policière, évidemment, avec tous les partenaires, c'est de dire, malgré le renforcement des lois, 300 $ minimum, 5 points d'inaptitude, on a encore plus d'infracteurs au volant. Et qui dit plus d'infracteurs dit, évidemment, augmentation du risque d'accident. On vient sévir avec des lois plus strictes. Donc, la loi. Ensuite, on fait maintenant de la prévention. C'est ce qu'on fait avec une campagne comme celle de la MRC Bournois-Salaberry pour aller chercher là, le plus de gens possible. Puis on vient compléter avec le côté plus opérationnel, dans le fond, les policiers là, qui vont vraiment là, pouvoir donner des infractions une fois que les gens auront été bien sensibilisés. Donc, on a une super campagne, pas de sel au volant, c'est gagnant. On va être partout, on va être sur la route, on va être dans les endroits publics, on va être sur les réseaux sociaux. Et l'important, c'est d'avoir un meilleur comportement sur la route pour éviter des accidents. Donc, on arrête la distraction et on en parle à tout le monde pour qu'on soit le plus nombreux possible à avoir des comportements sécuritaires au volant. Ready, set! Hey!